Laisse bon boulot. C'est la voiture idéale. Salut les petits garagistes, aujourd'hui c'est Kevin qui nous parle de sa 405 GL et qui répond à nos questions. Et une fois n'est pas coutume, c'est une histoire de famille comme on les aime. Bien sûr, comme toujours, le mieux placé pour en parler reste le proprio. Alors Kevin, c'est à toi. Donc salut, je m'appelle Kevin Legrand, j'ai 22 ans et je suis actuellement à l'AFPA de Chartres en tant que technicien après-vente auto. Voilà, j'ai une formation pour pouvoir travailler dans un garage par la suite. Donc cette voiture, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Mes grands-parents en avaient une. Je partais en vacances dans cette voiture. C'est tout un souvenir pour moi. Donc, il me fallait une 405 pour ma première voiture. Donc cette 405 a une grande histoire puisqu'elle appartenait à mon arrière-grand-père. C'était sa dernière voiture. Et par hommage, je lui ai repris il y a 3 ans maintenant. Et voilà, il l'a toujours entretenu, il en prenait grand soin, elle était dans un garage ouvert et il adorait cette voiture. Donc voilà, c'était pour lui en rendre un hommage. Alors qualité, elle consomme vraiment peu pour une voiture de cet âge-là. Je fais environ 7 litres ou 100 km. Évidemment, je tiens à préciser que c'est une voiture essence avec un carburateur. Donc les gens disent que ça consomme beaucoup. Et la preuve que j'arrive à faire quasiment 1000 km avec un plein. Elle est assez vaillante en ville, c'est maniable. J'arrive à me garer facilement malgré qu'elle n'ait pas la direction assistée. Et vive les anciennes. Et elle est assez rageuse. Les défauts, le seuil de chargement, puisqu'il s'agit d'une phase 1, donc le seuil de chargement est assez haut. Les plastiques qui vieillissent mal, évidemment, et j'arrive à en prendre soin, donc ils ne craquent pas, ils ne sont pas fatigués. Les tissus sont d'origine, tous les sièges sont d'origine, pas craqués, rien du tout. Et sinon, aussi le défaut. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre défaut? Du coup, c'est bon. Il n'y a plus de défaut. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de la dernière voiture de mon arrière-grand-père. C'était la voiture de noces de mes parents quand ils se sont mariés en août 1991. Bon, depuis, ils se sont séparés, mais la voiture est toujours avec moi. Merci. Voiture de mon arrière-grand-père et mes pas, et c'était la voiture comment on dit déjà pour les mariés de noces, ouais, c'est ça, voiture de noces, voilà, c'était la voiture de noces de...